Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'évaluation de l'un de nos enseignants à la HECAG. Il s'agit du Dr Khiri qui enseigne plusieurs modules au sein de notre aimable école, tels que le stade de gestion et le marketing. Pour aboutir à une solution, on va utiliser l'une des méthodes de la recherche qualitative, représentée par le focus group ou bien le groupe discussion. Vous allez bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question pour vous, comment voyez-vous le bon déroulement de la science chez M. Khiri et sa maîtrise du module? Premièrement, l'évaluation de l'enseignant s'avère impressionnante. Mais pour moi, M. Khiri, c'est un prof qui suffit pour pouvoir transmettre ses informations à ses étudiants. Dans ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi, Monsieur Hamza. Merci. Mais côté exemple, je crois qu'il y a une répétition constante, ce qui nous pousse vers une routine. Pour moi, ce n'est pas les exemples qui manquent. Mais au contraire, garder le même exemple ne fait savoir la différence entre les différentes situations. Mais non, le vrai problème pour moi, c'est l'absence de la partie pratique et la domination de la partie théorique et les études de cas qui ont souvent absence. C'est ça que je trouve très important. Et aussi comme un module important comme le marketing, voilà. Et l'absence totalement des études de cas. On n'a pas fait des études de cas. Je trouve ça un problème. C'est intéressant dans cette oui. Pour apprendre le marketing, il faut beaucoup de cas pour comprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça la pratique. Merci. Bon, ma deuxième question est comment se comporter en classe? Premièrement, il faut bien nous dire que M. Khiri est un prof qui se fait bien respecter et qui impose ce respect à tout le monde. Voilà. En plus de ça, il communique très très bien avec nous, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il est un peu dynamique. Oui, il a une grande confiance en soi et il ne se sent pas gêné envers nos questions, nos points d'interrogation. Il n'a pas aussi honte d'affronter les questions. Donc, il n'a pas de réponse. Voilà, c'est ça. Tiens, je suis avec toi, mais en retour, ce qu'il a dit à Youb, M. Khiri respecte les étudiants et les étudiants le respectent. Il est très gentil. En plus de ça, il a une capacité extraordinaire d'adaptation avec toutes les mentalités des étudiants. Oui, c'est le point fort. Et comment vous évaluez-vous? Monsieur Khiri est très strict, mais dans le bon sens de la chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sur le sujet des absences non justifiées, les fameux 5 points, c'est très, très difficile à encaisser. Et aussi très dur. Hamza, n'oubliez pas que cette méthode qui nous a poussé d'assister, de ne pas rater aucune séance, pour moi, ce que je n'aime pas, c'est le fait d'avoir beaucoup de tests. C'est beaucoup ça. Dans ce point, théâtre, M. Akram, si cette méthode qui nous pousse quand tu es à réviser, et aussi pour rester à jour. C'est votre point et je le respecte. Merci. Souhaitez-il les progrès technologiques? Oui, dans ce point, on a une utilisation permanente de DataShare. Et même, on reçoit nos cours et les informations concernant les études via l'Internet. Et aussi, les résultats des tests et toutes les informations concernant le module. Oui. Mais ce qu'ils gênent cette initiative, c'est l'absence d'Internet pour les étudiants résidents. Oui, mais c'est un problème administratif. L'enseignant n'a pas une responsabilité concernant ça. Revenons au point d'utilisation de DataShare. Oui. Je vois qu'il a pris.
Et pourquoi? Car l'utilisation de ce dernier dans un module technique pose mal pour le module en question. Oui, oui. Mais, si mais dans tous les cas, c'est un enseignant très gentil. Qui fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour transmettre ses informations. Oui. Merci d'avoir participé à ce focus group. Bonne continuation et à la prochaine. Merci, monsieur. Je vous en prie.